Bon bah salut tout le monde, alors moi c'est l'idiot du village dans ce jeu qu'on appelle Werewolves Within. Alors Werewolves Within, qu'est-ce que c'est? Ben en fait tout simplement c'est le jeu de rôle des loups-garous qui se joue sur carte autour d'une table et dans lequel les villageois doivent trouver les loups-garous qui se cachent parmi eux. Ça tourne là? Alors avant de commencer ce let's play tous ensemble, on va déjà commencer par vous demander à vous là qui regardez cette vidéo de nous mettre un pouce bleu là sur notre vidéo là, ça peut nous aider à diffuser la vidéo, voilà. J'ai répété 20 fois vidéo mais c'est pas grave. Voilà, et si vous le faites pas, ben ça va cogner. Non, je déconne, je déconne. Voilà, bah, écoutez, je vais laisser ma place à quelqu'un qui va rentrer dans mon cœur et qui va utiliser, parce que moi je suis qu'un personnage de jeu vidéo, hein, évidemment. Donc voilà, il y a quelqu'un de réel, de votre monde, qui va prendre ma place et jouer dans mon corps, voilà. Allez, bah, amusez-vous bien. La foule va survivre apparemment. Je commence. Et vous aussi. J'ai envie de commencer. Je suis l'observateur. Voilà. Je suis illuminé. Ouais. Moi je suis villageois. Arcane. Ouais. Je suis le vrai illuminé. Ok. Ouais, qu'est-ce que tu veux dire? Faut que tu dises ton Vas-y. rôle. Bah, si tu as le droit de le Menteur. Dire. Je suis villageois. Menteur. Je suis villageois aussi. Bien dans les yeux. Ok. Ouais. Je suis commère. Y a un problème? Et j'ai pas retenu tous les trucs là. Selenia, tu es quoi? Villageois. Dio, tu as dit quoi? Tu dis quoi? Okay. Villageois, ok. Voilà. Moi j'ai le premier indice de la commère. C'est quoi? C'est le vrai illuminé. Vio pourrait être un villageois. Ouais, super. Le deuxième. Je suis observateur. Voilà. Voilà. Premier indice. L'observateur, c'est un villageois? Ah, il y en a qu'un de toute façon, je confonds avec la commère. Il ne peut y avoir qu'un seul loup-garou. Ok. Il y avoir que seul loup-garou. Ah, donc Kélian n'a pas d'infos d'illuminé là. Si moi j'ai une info. Ouais, c'est quoi? Il peut y avoir deux loups-garous. Ouais. Et deux villageois. Ouais, c'est ce que t'as dit tout à l'heure aussi. Ouais. Menteur. Moi je dis. Moi je dis tout le temps la même chose. Ah, c'est moi l'illuminé. Et toi, Arké, c'est quoi? Le villageois simple. Normalement, t'as toutes les infos d'un coup. Je suis un villageois. Villageois. Ah. Je vais avoir le deuxième indice bientôt. Vas-y. Bah, tu te lèves pour dire ça. Alors moi je dis, je suis un villageois. C'est un faux illuminé. Donc c'est entre, pour moi, c'est clair que entre les deux là qui disent qu'ils sont le même rôle, il y a un loup parce qu'il n'y a pas de traître, bah, pas de déviant. Ouais. Donc c'est Kélian. C'est Kélian. J'ai le pouvoir d'observer. Non, non, c'est Percival. On va attendre ton deuxième indice. Oui, mais t'inquiète pas, il va t'observer pour te confirmer. Alors, ok. Moi j'ai mis Kylian comme suspect. Mais il y a Selenia aussi, mais bon. Elle me dit pas grand chose. Ah, moi je suis nouvelle. Bah, je j'apprends. T'observes. C'est pour ça que je suis concentré. Oui, voilà. Oui, mais les deux peuvent être loups-garous, ça n'empêche pas. Est-ce que vous voulez que je nomme un meneur? Ou pas? Moi je peux me nommer un meneur aussi. Non mais il faut qu'il y en ait qu'un, sinon ça foire le truc. Hein. Ouais. Eh ben, c'est Lénia, non? Si elle nommait un meneur. Tu peux me nommer moi. Mais non, si c'est Lénia est villageoise, elle peut nommer un meneur. Ouais, mais si c'est Lénia est un loup-garou et qu'elle attend tranquillou là. Arkea. Ben ouais, c'est pour ça. Ouais. Ah ouais, c'est Lénia, elle peut nommer un meneur, c'est juste ça. Vous vous t'es percé d'âme parce que... Tu sais pourquoi j'étais illuminé et normalement t'as les deux indices en même temps. Ça, c'est pas faux. C'est un faux illuminé quoi. Ouais. T'es pas très convaincant. Parce que moi tout à l'heure moi en fait tout à l'heure j'avais les deux indices d'un coup et genre j'ai été trois fois de suite et j'avais tous les mêmes indices. Ouais. Et puis le premier c'était quoi? Donc moi je pense que c'est lui, je sais pas. Peut-être c'est un des biens. Bon, Selenia évidemment. Ouais. Bon, on va voir. C'est un peu long leur discours. Mais moi j'avais les deux infos d'un coup. Ouais. Bon bah tu es Kylian. Bon, et alors vous disiez quoi? Bah faut que j'observe alors. Ouais. Faut que j'observe. C'était quoi le deuxième indice de l'observateur là? De la commère. Observe-moi pour me confirmer. Observe Perceval, ouais. Perceval. Perceval? Ouais, Perceval. Et Christophe, la commère.
Christophe, la deuxième oui. indice de la commerce, c'était quoi? Manquer de temps. C'est Lénia Villageoise. D'accord. Donc, bon, voilà. Illuminé ou loup-garou? Donc, ça confirme ça. Je dirais que le personnage, c'est le loup-garou. Bah non. Loup-garou ou loup-garou? Non, c'est Kélian, du coup. Bah sinon il aurait du coup. Hein. Pour moi, Perceval a été plus crédible en illuminé. Il a été plus crédible en illuminé. Oui, mais on bien les rôles. Oui, mais je sais pas, il a dit plus naturellement qu'il y avait un seul loup-garou. Écoutez-moi, il y aurait beaucoup de chance si ça tombe illuminé loup-garou. Hein. Beaucoup de chance. Pour moi, il y a plus de chance qu'il ait illuminé. C'est Kélian. C'est Kélian pour moi. Non. Les villageois votent Kélian. Ok. Mais un des deux éliminés, il est loup, c'est sûr. Hein. Et moi, je suis observateur, j'ai observé Perceval, et ça me met soit loup-garou, soit illuminé. Il dit qu'il est illuminé, c'est possible. Moi, je le crois dans son rôle. Non, mais pourquoi ce serait pas un loup-garou? Pourquoi ce serait pas un loup-garou? Bah, c'est toi, le loup-garou. Parce que ça serait tombé drôlement pile. C'était un sacré coup. C'est possible, mais il aurait beaucoup de chance. Ouais, Célénia, qu'est-ce que tu as à dire? Mais. Célénia, qu'est-ce que tu as à dire? Moi, toi, il dit que c'est toi, Kélian. Oye, voter Perceval. Non, moi je suis un villageois. Moi. C'est bizarre. Célénia, elle dit des choses bizarres. C'est lui. Oui. Kélian pour moi. Voter pour éliminer quelqu'un. Je crois que tout le monde t'a regardé, Kélian. Moi, je pense que tu es foutu. Ouais, Kélian. Ah, mais c'est. Kélian. Il y a quand même le doute à la fin, je crois. Il y a un petit doute toujours, mais toujours. Il y a plus de chances que l'illuminé soit Perceval parce que ça me l'a mis quand je l'ai observé. Ouais, mais je suis après, bien sûr, il fait oui, bien sûr. Quand on connaît les rôles, on peut rapidement dire tac au tac au tac. C'est. Il a dit je suis le vrai. Non, il a dit je suis le vrai illuminé. Ah. Ouais. Ah, yes. Voilà. Bon Kélian, il va falloir apprendre à mentir un petit peu mieux quand même. La raison l'emporte. Je t'ai reniflé. Fallait râler quand tu disais que t'étais illuminé. Ah oui, parce que quand tu m'as parlé à l'oreille, tu m'as reniflé en fait, c'est ça? Bah ouais. Il a dit qu'il a chuchoté en plus. Pourquoi on a évité? J'ai oublié ça. Et oui. Ouais. Bon, c'est quoi? Ça fait quoi quand le loup-garou il chuchote? Bah il voit son identité. Perceval. Bon. Ah bah Lénia est perdu. Non, elle a juste de retour. Ouais, voilà. C'est les chiffres. Alors qu'as-tu pensé de cette première partie? Ouais, mais je sais que Free, c'est la merde. J'ai pas de problème, hein. Il y a pire, il y a SFR. Non, SFR c'est très bien là. Je suis SFR. Non, c'est pas toi SFR. Moi j'ai 100 mégas là. J'ai 100 mégas. Ben moi j'en ai 250. C'est ça, ouais. Moi par cap là j'ai 100 mégas seul. J'ai la chance. Célénia alors, tu en as pensé quoi? Ah, on a DSL. Bon, mais voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Alors, le mec qui m'a incarné était vraiment bidon, mais complet. Hein, vraiment nul à chier. Donc, la prochaine fois, je pense qu'il se sera amélioré. Donc, si on refait une vidéo, ça pourrait être un petit peu plus intéressant en termes de tactique, de bluff, etc. Voilà, n'oubliez pas de nous mettre un pouce bleu sur la vidéo, s'il vous plaît. Ça nous aide beaucoup. Voilà, et puis on vous dit à bientôt. Et peut-être que je vous reverrai... très vite. Au revoir.